Hey! T'as réussi à avoir des armes lourdes ou pas avec les MT? Mitrailleuse et canoncier. Uzi et canoncier, c'est tout ce que j'ai. Bah, c'est déjà bien. Pourquoi tu veux qu'on achète des armes du coup? Oh, fusil de chasse, c'est bien ça. Oh, on peut prendre un fusil de chasse ici. Oui. J'attends le regard d'actionner aussi, tout ce qu'on peut prendre. Prends un parachute, ça peut toujours servage au cas où. On sait jamais. T'as pris? Oui, j'ai pris, mais attends, je suis en train de charger mes armes parce que l'interface Ouais, ici est vas-y, très vas-y. bizarre, très bizarre. Non, tu. Faut que. Quand t'as ton pistolet et que t'as acheté des balles, il faut que, tu vois, t'en aies R à faire de tirer sur les gens. Non, je t'explique. Il y a des chargeurs dans mon inventaire et je dois appuyer sur F2 et les équiper un par un. C'est infernal. Donne-moi une autre méthode de faire ça? Ouais, t'as raison. Ouais, c'est vrai que c'est pas terrible C'est ici. pas terrible, hein? C'est vrai. Je fais de la daccordisation avec toi. Mais fais pas le malin quand même. Hop. Écoute, ce soir on perd plus de temps. Je te le dis tout de suite, hein? Si pour se faire taser les pneus en 25 secondes, crois-moi, en 25 secondes, je vais tirer dans les têtes. En fait, le proquipo, c'est que j'avais fait un plan stylé et moi j'étais très frustré, je t'avoue. Je sais, on m'a raconté. J'avais de la frustration parce que. Bah justement, j'ai pas pris une voiture de fou pour être. Fair play. Mais je me suis fait exploser le cul. Mais vu que je veux pas que les. Tu vois, que les gens, la foule, aillent faire du sale ailleurs, bah je préfère prendre sur moi en fait. Oui, écoute. Je vais aussi prendre. Il peut aussi nous donner des gilets pare-balles. Ah bon? Oui. Quel est le meilleur pistolet? C'est quoi pistolet de précision? Je t'avoue, c'est pas un FPS ici, hein, mon pote, hein, j'en sais rien. Crois que j'ai Non, c'est un tryhard les armes ou TPS. quoi? Moi, j'ai pas tryhard les pistolets, j'en sais rien. C'est un TPS, monsieur. Ouais, bah voilà, bah, c'est pas un truc fait exprès pour tirer. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, TPS, 14, 15, c'est 16, 17, l'antenne pour 18, 19, capter 20. des chaînes, mais ça n'existe plus. J'avais une Ah. parabole, je me rappelle, je Personne regardais ne comprend Carton. le problème avec Doberman. Les Excuse-moi. gars, il a saoulé tout le monde, ok? Il répète la même chose Comment ça? non-stop. Ok, viens, on va à la Pacifique. Allez, go! Mais genre là, on y va, visage découvert. Ouais, c'est ça. Et les témoins, on en fait quoi? Allez, on s'en fout. On leur dit, si tu fais le malin, je te tue. Attends, Les mais on gars! s'exfiltre avec quel véhicule? Il faut une bonne bagnole ou ils en ont déjà une? Je ne sais pas si on s'exfiltre, mais au cas où, il prend une bonne bagnole. Oh, je peux te dire qu'en prenant une Revolter, alors là, je laisse aucune chance. Zéro chance, je te le dis tout de suite. Et même si on est que deux, dans notre voiture, tu veux que je prenne la T20? Non, c'est trop là. Non, non, c'est pas c'est trop. 25 secondes, on tase nos pneus, c'est pas trop. Ça se trouve, ils vont même taser les pneus à 3 secondes de la course. T'auras à peine le temps de démarrer, ils auraient déjà tasé. Ouais, mais regarde, juste je t'explique un Bientôt, truc. ils vont investir dans les fusils de sniper taser. Et Mais franchement, non. j'aimerais bien voir dans la vraie vie, tu sais, quand tu tases un pneu, j'aimerais bien voir ce que ça fait. Non, Parce qu'à mon oui. avis, c'est rien. Je l'aurais déjà dit. Oui, c'est intéressant ça. C'est du caoutchouc, c'est non conducteur à électricité. Tu vois Oui, que je j'ai fait sais. SVT en troisième. Moi j'ai fait science et vie de la Terre aussi, ouais. C'était bien. J'ai vu comment me reproduire, je trouvais ça cool. Et t'as fait SVT il y a combien de temps? Oh, ça remonte à 15 ans ça. 15 ans! Attends, il y a 15 ans. SVT c'était quoi? C'était quand on avait 15 ans? C'est T'as trop bien le 30 live ans sans là? cam, les gars, je kiffe, putain! C'est trop bien le live sans cam! Oh. Bon. Mais j'entends un hélicoptère. Absolument. Chut. Un masque pour les braquer.
Excusez-moi. Excusez-moi, hélicoptère, il y a quelqu'un au-dessus. Il vient de se partir. Il vient de partir, c'est lui là. Mais on sait pas si c'est une bonne idée de les braquer. Ouais, c'est lui, c'était lui. Bah, on les embarque et on les emmène. Pense à enlever ta casquette. Moi, c'est des vrais otages, on les emmène. Non, 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 non. Il fait partie du braquage, je pense. Ah, ok. Mais non, de là-haut, je t'ai dit, regarde. Bon, laisse-les vivre. Laisse-les vivre. Laisse-les vivre. Du coup, là, Pacifique, hein. Oh, j'ai le plein. Yes, j'ai mis le plein hier. Quel génie. Mas, pas ouf, on te reconnaît. Les gars, en fait, ce que vous comprenez, c'est qu'à partir du moment où t'as un masque sur la tête, genre, c'est bon, tu vois. Tiens, emmène-moi acheter un masque, s'il te plaît. Mais on y était déjà, je vais te niquer. Bah oui, mais bon, là les gens ils disent que je reconnaisse la couleur de mes cheveux, etc. Et ces novices de poulet, ils vont me dire gna 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 gna. Et ensuite ils vont me taser les cheveux, donc allez, on y va. T'as mis une capote aussi, et t'as mis un masque Covid aussi, toi. Ouais, toi t'as mis l'oiseau que j'ai mis hier, bravo. Non mais ça, par contre, tu peux pas. Mais écoute, il y a plein de choses qu'on peut pas, et pourtant ils y arrivent, hein. Alors regarde bien, ça, si je veux je le fais. Tu vois? Non, 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 non. En vrai, je suis un peu déçu car lui, quand il était ado, il était différent des autres et donc. Oui, mais attends, 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 attends. Si j'ai pas envie de jouer avec un tel, conseil, ou si un tel souvenir d'été du monde, j'ai le droit de pas jouer avec lui pendant un moment, non? J'ai pas dit que je le renie à vie, non? Tu t'en parleras quand tu seras dans ton appart avec tes potes, j'en sais rien. Les gens, là, dans le RP, ils ont dit, ok, mais pas ton pote, ok? Là, viens, on passe une bonne soirée, on fait nos trucs bien. C'est quoi votre délire, là, les gars? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mec, ça doit être un pote collage 24? Vas-y, t'as acheté un masque, là, m'emmerde pas. On lui a dit, je lui ai dit en off en plus, 50 fois, les gars, vous savez pas ce qui se passe en off. Je lui ai dit 1000 fois en off, les gars, de se calmer. Là, les gars, hier, il m'a avoué, il aurait tiré sur le négociateur. Tu te rends compte, mec? Il nous aurait foutu dans une merde. Il voulait tirer sur le négociateur, les gars. Il y a un moment où c'est bon. J'ai la grippe. Oh non, j'ai envie de te niquer. Oh non. Oh, j'ai envie de te niquer. Moi, je comprends pas. Tu mets un masque Covid et tu chopes le Covid, espèce d'enfoiré. Et je t'ai donné à la pharmacie, là. Dépêche-toi. J'ai envie de te mêler. Parle bien. Parle bien, ça te mêler. Qu'est-ce que tu fais, là? Hey, conduis mieux, là, hein. Et ça glisse. T'as intérêt à bien conduire dans la neige, hein. Je te le dis tout de suite. Sinon. Parce que les poulets, tu vas bien me les empailler, hein, Même, ouais, si ouais, ouais. Même si contrairement, je suis. C'est une méthode atroce, hein, d'empailler les animaux, hein. Ne faites pas ça à la maison. Ah ouais, ne faites jamais ça, ouais, ouais. Moi, j'aime beaucoup. Mais toi, en tant que joker, tu devrais kiffer ça quand même. Non, t'es un non, peu non. Fou. Si, t'es un peu fou. Non, empailler les êtres humains, peut-être un petit peu plus, mais pas les animaux. Hein. Non, pas les animaux. Okay. Pas les animaux. Non, moi, j'aime beaucoup les animaux aussi. Ouais, il faut laisser les animaux tranquilles, hein. Par contre, les poulets de flics, oh, oh, oh. Alors j'achète quoi là? J'achète quoi? J'ai un antidouleur, je crois. Non, 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 je crois pas. Si c'est ça. Non, ça c'est pour le dos, l'antidouleur. Crois-moi, j'ai souvent le dos cassé. Eh non. C'est mal. Fais du respect sur mon blast, s'il te plaît. Allez, écoute, mon Jojo. T'as mis 500 heures de jeu, qu'est-ce que je te dis? C'est la première fois de ma vie, je suis dans une ville où il y a des antidouleurs, alors m'énerve pas. Je suis aussi novice que toi. Je t'ai donné un pacifique. Je pense que t'es même plus pro que moi sur les antidouleurs. Parce que moi, je suis arrivé après toi. Il est fou celui-là. C'est où, hein, c'est où que t'as le plus d'heures de jeu? Sur quel truc?
World of Warcraft. Ah ouais, wow, tu l'as tué? Ouais, je vais avoir 8000, 12000 heures. Wow. Why? Et ok. 12000! Putain! Attends, mais t'as dit. T'as bien dit 12000! Ouais, ouais, quelque chose comme ça, ouais. Mais How? Putain. Tu sais, le jeu, il a 15 ans, ou 16, 18 ans même, je crois. Ouais, je sais, ouais. Mais tu te filmais quand tu jouais à ce truc? Non. Non. J'étais pas encore une attention or à cette époque-là. Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Ah, si t'étais. Retire le masque, retire le masque. Si t'étais Natasha Noir, tu ferais le God Talent demain, non? Oups! La vitre! Alors, je sais, j'ai vu à quel point c'est important les vitres teintées. Pour pas qu'on voit le visage, etc., etc. Wouhou! Oui, bah tu vois, tout ça, c'est des trucs qui sont importants. Normalement, tu dois les prendre en compte. Ouais, mais bon, je crois que personne n'en a quelque chose à foutre dans cette ville. C'est pour ça que j'ai acheté une hache. Monsieur, bonjour! Oups! Il est complètement fou, celui-là. Mais c'est vrai que je dois... Mais regarde, par exemple, admettons que tu sois là. Même si, tu sais, avec tes yeux orbitales, tu peux regarder sur le côté, t'es pas censé me voir, là, tu vois. Dans la voiture. C'est-à-dire comme ça? Mais non, mais non. Avec tes yeux, là, regarde, si t'es à ma place, viens voir. Si t'es à ma place, là, si tu vois, avec un coup de souris, tu peux voir dans la voiture. Oui. Bah là, y a des gens, ils prennent en compte. Ils disent, ah bah, je t'ai vu. Mais normalement, je dois pas prendre en compte. Attends une seconde. Bon, vas-y, je sais que t'as envie de la démonter. Pardon, madame, mais qu'est-ce que vous regardez? Oups là! Ouf! Surprise! Ah! Il est comme Chips Lays, mon pote. Oui, je sais. Bon, du coup, on fait quoi? On entre ou on attend qu'ils arrivent? Là, on bosse avec qui là? On bosse avec Thomas? Oui. Bonjour à tous. Bonjour monsieur. Attends, je vais l'appeler. Bonjour monsieur. Oh non, faites pas ça, s'il vous plaît. Qui, moi? Moi, il va où? Ah, t'aimes pas? Bah non, mais c'est très bien, vous faites un très beau jeu, très joli travail. Mais on sait tous que c'est vous. Tu respectes plus rien, toi. Tu veux faire des trucs bien et tu me respectes pas. Mais en quoi je respecte ce que je viens de dire, c'est vrai, non? Oh, nique ta race, nique ta race. Ok, donnez-moi un instant, excusez-moi. Nique ta race. Je me mets dans une position inconfortable. Bah pas du tout. J'essaie de te faire des trucs bien. Voilà. T'es monsieur, pardon? Oui? Vous m'avez appelé Locke? Ah non, absolument pas, non. Très bien. Vous allez bien? Oui. Vous allez bien, monsieur Westwood? Oui, tout à fait, vous. Ok. Dites-moi, vous arrivez quand à la banque? Ne paniquez pas, hein. Thomas m'a mis au courant. Qui c'est qui vous a mis au courant? Thomas. Ben je sais pas encore, pour être honnête. Il m'a dit qu'il m'appellerait, mais j'ai plus son numéro. Du coup, Là, on est pas dedans, en fait. Ah, je sais, on est dedans, nous. On est prêts. On est deux, si jamais vous avez besoin, si vous voyez ce que je veux dire. Très intéressant. Très intéressant. Qu'est pas ça? On va se faire descendre. C'est quoi cette explosion? Très intéressant. Vas-y, tu donnes le teaser, tu craches pas le morceau là, je déteste ça. Alors, j'appelle monsieur Westwood, monsieur ouais. Thomas Diorno, okay. Me dit, ok, dans 5-10 minutes, attendez dans la banque Pacifique. Oui. Et on pourra collaborer avec vous. Ensuite, j'appelle Jim Westwood. Mm-hmm. Donc le collaborateur de Thomas Diorno. Ouais. Vas-y, accélère s'il te plaît. Et toujours pas de nouvelles de leur part. Ok, ouais. Tu veux que j'appelle? Vous avez le numéro de Thomas Giorno? Ah, je sais pas si j'ai le numéro d'un Thomas Bigorno. Oh, attendez. J'ai le numéro d'un Thomas, ouais. Attendez, je l'appelle. Vas-y. Attendez, oui, allô? Oui, monsieur Thomas! Ouais, c'est pas encore, je vous tiens au courant. Mais monsieur Westwood, m'a raccroché au nez! Qui ça, monsieur qui? Jimmy Westwood!
Ah, Jimmy Westwood vous a raccroché au nez. Oui, non, mais faut pas appeler à Jimmy Westwood, ils sont pas au courant. Et puis apparemment, votre présence n'est pas vraiment tolérée. Donc, je vous ai dit, vous êtes un client qui va faire un retrait d'une certaine somme et vous trouverez ici par hasard. Très bien, mais j'attends votre appel alors. Oui, bien évidemment. M'oubliez pas. N'en faites pas là. Mais Jimmy Westwood a un problème avec moi? Attends, deux minutes. Bon, écoute, on s'est fait larguer. Allez, ils vont nous rappeler. Ils vont nous rappeler et on y va. Allez. Attends, je vais l'appeler. Non, l'appelle pas. Bah si, c'est mon gars sûr. Qui, Thomas? Bah ouais. Attends, je te l'appelle. Sinon, on va braquer une banque. Histoire de patienter. Non, j'ai le cul, moi, de braquer pour braquer. Non, comme ça, tu te remets en jambes, là, hein. J'ai l'impression que t'as besoin de t'échauffer, là. Surtout dans cette neige. T'as l'air très froid. La neige, la bois. Moi, je te dis, je vois un taser ou j'entends un bruit de taser, je commence à tirer. Tu m'entends? Ouais, pas de soucis, ça. Je suis ok. Bah ouais, mais t'es con! Il me répond pas, Tomato Ketchup, là. C'est qui l'a répondu? Oh. Tu veux faire l'anarchie, c'est ça que tu veux? Allez. Tu veux faire l'anarchie? Tu veux qu'on fasse l'anarchie? Vas-y. Oh. Oui. Allez, entraîne-moi. Oui. Vas-y. Fume-moi tous ces enfoirés de sang, c'est Noël. Vas-y, regarde-les sans panique. Cop. Courez. Voilà. Quand mon écran il flash, ça veut dire que j'ai headshot. Oui. Ah, j'aime bien les headshots. Vas-y. Regarde, il prend sa fuite avec sa petite R8 là, regarde-le. Fume-le. Voilà, c'est bon, tu l'as eu. Je sais que c'est R8. Ça vous apprendra à être riche et à sucer l'argent du peuple. Les pneus, vas-y, les pneus, montre-moi si t'es un pro. Et arrête d'appuyer sur ta souris avec ton micro activé, fils. Lâche ton micro, genre je t'entends cliquer comme un ouf là. Les pneus. Voilà, tu l'as eu son pneu. Tu veux que je tue les pneus? Regarde, hop, dérapage. Est-ce que tu veux que je tue les pneus? C'est bon, stop, arrête. Ah. Bon, on fait ça ici parce que je sais qu'on peut croiser personne. Hein. Oh. Attends, merde, ça c'est des vrais policiers. Non, vous voulez pas tirer. Oh, attends, ils ont tasé là. Hein. Oh merde. Arrête. J'ai tiré, c'est trop tard. Mets ton masque, dépêche-toi. J'ai tiré, casse-toi. Oh, t'es un malade. Ah ouais, tu fais le mal en téléphone, ouais, je vais tout niquer. Et dès que tu cherches un flic, t'as la diarrhée dans ton front, tu vas se mec t'as. Allez, fais ton travail, c'est bon, toi. C'est bon, y'a plus personne. C'est bon, c'est terminé. Par contre, on m'explique pourquoi on a croisé une voiture de flic? Ah, je crois que les citoyens, ils appellent la police. Bon, change-moi la couleur de ton véhicule, s'il te plaît. Et parce que là, il est couleur sang. Tu vois ce que je veux dire? Putain, t'aurais pas dû tirer sur la police. J'ai tiré dans leurs pneus, j'ai fait ce que tu m'as dit. Ils ont essayé de taser mes pneus. Oui, mais c'est pas grave, on a rien fait de mal. Oui, mais j'entends un taser, je tire. Punaise, je savais pas que la police, ils avaient des alertes. Moi, je me suis mis là-haut parce que je sais qu'il y a, on risque de croiser personne. Bon, change. Oui, Thomas? Oui, bon, comme je vous ai envoyé par message, ça va plus être possible. Hein. Ça va plus être possible? Ah non, et là je vais vraiment vous demander très sérieusement de ne pas être là, sinon je vais devoir moi-même vous tirer dessus. Parce que bah comme vous avez dit que c'est moi qui vous ai prévenu, maintenant c'est terminé là. J'ai dit à qui? À Westwood? Mais vous avez dit à tout le monde que c'est moi qui vous ai prévenu, donc là il y a tout mon gang qui me croit plus. Tout le monde c'est Jimmy Westwood. Oui, bah écoutez, bah maintenant ils sont tous au courant que c'est moi qui vous ai prévenu, donc je vous demanderai de ne pas être là et je vous récompenserai gracieusement de ne pas être là. C'est pas mal quand même, c'est comme si vous avez braqué une banque sans l'avoir braqué. Et ouais, si je suis là, ça pose un problème? Ouais, vraiment, ouais. Genre là, si vous êtes là, c'est moi qui meurs en fait. Oh. Non mais écoutez, vous savez que je suis quelqu'un de confiance. Donc c'est le petit Jimmy? C'est le petit Jimmy, c'est ça? Là, le problème, c'est que vous avez grillé ma couverture, Joker. Mais dis qu'il y a un membre de votre gang.
Bah en fait je vous avais dit de prévenir personne et d'être là en tant que client. Et là maintenant vous êtes en train d'appeler tout le monde pour savoir quand est-ce que c'est le coup. C'est pas vraiment ce qu'on avait compris. J'ai pas appelé tout le monde, j'ai appelé monsieur Jimmy Westwood, un membre de votre gang. Ouais bah écoutez, Jimmy Westwood il a balancé à tout le monde. Voilà, donc, ah Jimmy Westwood est une petite balance. Oui bah voilà, très bien. Voilà. Bah je suis désolé. Pas de soucis, mais merci, merci Thomas. Voilà, je vous remercie pour votre coopération. Mais oui, mais je suis navré monsieur Thomas. Le petit Jimmy merci, aussi, merci. Je suis navré pour le petit Jimmy. Ça fait les balances. On part à la pêche au saumon. Eh bien ça c'est sympa ça monsieur Jimmy Westwood. C'est sympa ça. Ok, alors vu que j'ai appelé monsieur Jimmy Westwood. Ok. Il a hurlé. Hurlé ? Il a parlé, oui. Ok, ouais. Alors que c'est le collaborateur de monsieur Thomas. D'accord. Et il a parlé apparemment, et du coup il a dit « Nous ne faisons pas de coups, nous allons faire de la pêche au saumon. » Donc il me prend littéralement pour un con. Ensuite, Thomas me rappelle en me disant... Donc il m'envoie quelques textos d'abord, il me dit « Je vous paye 150 000 $ pour ne pas être là, ok ?» Donc là, Thomas, il est dans la merde parce que monsieur Jimmy Westwood ne peut pas s'empêcher de couiner. Et donc, j'ai envie d'aller buter tout le monde. Attendez, je passe un coup de fil pour voir. Non, 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 passez pas de coup de fil, là, c'est fini, je pense. Et là, il va savoir que j'en parle à vous et ensuite, ça va dégénérer. Vous comprenez? Attendez, non, je vais passer un coup de fil. Moi, je vais créer une équipe, ok? Et on va faire une équipe et on va attaquer la banque, les attaquants de la banque et les flics. T'en penses quoi de ça? C'est un gros projet, mais... Allô? Oui, ah, merci, c'est nous, Zach. Attendez, je passe mon appel et on en reparle après. Ouais. Ouais, allô. Comment ça va? Ça va et toi? T'as une mitrailleuse encore ou pas? Ouais, j'en ai deux. Alors, je t'explique. Ouais, dis-moi. Aujourd'hui, j'ai envie de faire un peu. Tu sais, mes sens commencent à en avoir un petit peu ras-le-bol, si tu vois ce que je veux dire. L'anarchie, le chaos me manque. Ouais. Ok. Et j'aimerais vraiment qu'aujourd'hui, on se concentre. Et qu'on aille faire des petites belles choses. Allô? Oui, allô? Allô? Oui, pardon, excusez-moi, mon micro s'est muté, j'ai tiré sur un monsieur. Alors. Ouais, c'est quoi? Vous voulez vous concentrer sur... Enfin, ouais, il me faut une équipe, il me faut une équipe et j'ai envie d'utiliser mes armes. Je comprends sur... Emmène-moi, okay, je manque de balles, emmène-moi. Attends, non, par contre, si tu veux, là, il y a des... Ouais, non, tu veux que je te ramène des balles aussi? Non, non, pas toi, je parlais à Fizz. Ok. Bah vas-y, vous voulez tirer sur qui? Moi je suis chaud. Sur tout le monde. Ok, sur bah on va dans la ville, dès qu'on voit un mec on le tue. Ah non, pas comme ça. Bah alors comment? Bah non, on va faire un braquage, on fait les choses bien, on tue l'otage, on tue les flics, on tue les gens qui n'essaient de nous tuer. J'ai un braquage de fou à faire, mais tu vois, pour que je le fasse, je suis sûr que ça pourrait faire un vrai truc et tout, si jamais à la fin on pourrait même tirer. En gros je t'explique le plan. Le braquage c'est, je demande à un ami à moi, tu vois, un ami qui est un petit peu... Genre c'est un mec supérieur, tu vois ce que je veux dire, c'est un ex-militaire et tout, tu vois. Oui. C'est un ami. Ok. Donc un dieu quoi, un dieu quoi. Ok, ouais c'est ça exactement. Quelqu'un que si on tue, on lui tire dessus, il prend pas les balles quoi. Quelqu'un qui est pas très fun quoi. Ouais voilà exactement. D'accord. Et en gros je demande à cet ami qui nous coupe l'électricité dans la ville parce que lui travaille dans la centrale ou quoi. Oh intéressant. Et en gros la fuite ce serait que au lieu qu'on sorte et qu'on se fasse taser ou même si on soit crevé les pneus etc, on aille dans un tunnel et là ce serait le noir total. On ne verra rien du tout. Mais on a des lunettes de vision nocturne. On a des lampes torches sur les armes si jamais il faut tirer ou quoi. Mais on n'a pas de lunettes de vision nocturne. Non mais c'est, enfin, je pense pas que ça se trouve honnêtement des lunettes de vision nocturne. Enfin ça doit se trouver tu vois, mais c'est réservé aux militaires, pas à la police je pense. Bah comme d'habitude. Donc mais on a des lampes torches tu vois, si jamais ça se barre en couille ou quoi, on allume avec nos armes et tout partout dans le tunnel et tout, ça peut être vraiment incroyable. Mais le problème c'est quoi? C'est que cet ami il me dit qu'il a trop de trucs de prévu avec d'autres gens et tout, et que pour l'instant il pense, enfin il sait pas s'il va pouvoir faire ce que j'ai envie. D'accord. Donc j'essaye de négocier. Est-ce qu'il est butable cet admin? C'est
cet ami, vous voulez dire. Pardon, enfin, oui. Dire... Admi, oui. Administrateur. Ami. Oui, oui, oui. Comme amitié. D'accord. Bah non, non, il est pas. Je pense pas qu'il soit butable. Mais c'est décevant, ça. C'est très décevant. Ouais, mais dans tous les cas, je te tiens au courant, ok? Ok. Bon, en tout vous cas, savez quoi? Nous, là, il y a un braquage à la Pacifique prévu maintenant, là. Ouais. Et après, bon, bah écoute. Tu veux que je te ramène les Uzi et qu'on vienne? Tu veux qu'on fasse quoi? Alors, en gros, je t'explique. Il y a une autre squad, c'est pas la mienne qui fait ça. Et c'est vrai qu'on pourrait s'interposer et mitrailler tout le monde. Ah, tu veux qu'on prenne en truc le. Genre, tu veux qu'on prenne leur Pacifique comme ce qu'on a. Ce qu'on a... Ah ouais, comme. Ouais, ok, je pense. Ouais, que mais tu le problème, dire. C'est que justement, il y a beaucoup d'amis, hein, tu vois, c'est ça le problème. Hein. Mais on s'en bat les couilles, on peut, on a le droit. Oui, mais bon, ils seront intuables, quoi. T'es sûr? Non, mais ils sont pas tous intuables, je te jure qu'ils sont pas tous intuables. Ah non? Ouais. D'accord, bah. Ça existe pas quand même, à part les super-héros, je vois pas qui peut être intuable. Bah écoute, hein, moi j'étais un super-héros la semaine dernière, et je peux te dire, crois-moi, je suis passé à la caisse, hein. Ouais, c'est vrai. Bon bah écoute, tu sais quoi, tu m'appelles s'ils sont là, je viens vous livrer les Uzi. Et puis on essaye de les fumer, ok? Ouais, t'en as que deux, tu peux pas en avoir plus? Bah non, j'en ai eu que deux pour l'instant. Bon, il nous en faut beaucoup plus, hein. Beaucoup plus. Ok, bah faudra faire une commande alors. Bah oui, mais la commande là, je l'avais aujourd'hui, hein. Bah je vais essayer de demander, mais t'en faut combien? Bah au moins 6, quoi. 6 en plus? Ok, je vais essayer de demander, je vais voir s'ils pourront pas. Ok? Oui. Ok, le joc? T'es au téléphone ou très quoi? Très bien, moi ouais, je suis au téléphone. Alors... mais vas-y, va au mon point s'il te plaît, il me faut des balles. Joker? Attends, Joker, j'ai un problème de ouf là. Attends, je te rappelle, Daven. Ok, à tout. Dis-moi. Je t'ai mis un autre point. Je t'explique, hein. Hier, quand on était en tôle, tu te rappelles le bouc là? Putain, qu'est-ce que c'est que ce bordel là? Il y a Weasel News derrière nous. Tiré, espèce d'enculé, t'as tiré. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? On vient de se faire tirer dessus. On vient de se faire tirer dessus par des violents gangsters. Qu'est-ce que c'est que ce bordel là? J'ai ma tête mise à prix ou quoi? Monsieur l'agent, vous avez pas vu la bagarre? Oui, doucement. Oh là là, je témoigne, monsieur. Oh, lieutenant Cuck, heureusement que vous êtes là. Qu'est-ce que c'est comme véhicule? C'était un véhicule de type gris, je crois que c'est un Phaelon 4 places. Phaelon 4 places? D'accord. Est-ce que vous êtes blessé, messieurs? Bah non. Non, on s'est couché dans la voiture. D'accord, ok, très bien. Bon bah on cherche le véhicule depuis tout à l'heure, ça fait un petit quart d'heure qu'il rôde en ville. On va faire en sorte de gérer la situation. Il tire sur tout le monde? Oui. Mais faut faire attention, c'est très dangereux. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oui, monsieur Grimaldi. Bon allez, on y va. On se taille de là avant de claquer là. Je suis sûr et certain. Y'a les news juste derrière nous. Ouais, donc je t'attends de te dire avant que tu tires comme un skeg. Tu te rappelles le bouquin en prison? Il m'a dit, si tu veux que je te sorte de là, ce qu'il m'a dit, tu sortiras pas de là. Sinon, il me fume. Du coup, j'étais avec l'autre là, avec ses cheveux longs, comment il s'appelle? Ouais, on peut aller me chercher des munitions, s'il te plaît, j'en ai plus beaucoup. Ouais, allez, va. Et en gros, je lui dois 1 million de dollars, mais j'ai pas 1 million. Et moi, là, si je ramène pas les 1 million à la position qu'il m'a donnée, il me fume. Ok, bah viens, on y va, je les ai, les 1 million. Écoute ce qu'on va faire, écoute. Tu vois, par c'est contre, ce tu commences à coûter beaucoup d'argent, tu sais, Fields. Écoute ce qu'on va faire, écoute. Le pilote milliardaire, hein? Ta gueule, je te parle d'un plan sérieux là. Je vais aller voir le bouc, d'accord? Tu vas te planquer. Je vais essayer de voir s'il y a quelque chose à tirer de lui. S'il me prend juste la maille et il veut se barrer, je vais lever les mains. Si je vais lever les mains, tu vas venir, tu le braques. Et s'il veut pas coopérer, on le fume. C'est bon pour toi? Et ensuite, on se fait ban du serveur. Très bonne strat, allez. Non. Mais non. Mais qu'est-ce qu'il raconte lui? Donc là, tu veux tuer un mec en God Mode. Arrête de parler comme ça! Pardon, excuse-moi, j'ai mal à la gorge. Je te parle d'un truc sérieux là, fais un effort. Ok, allons-y, je suis toujours d'avis. Est-ce qu'on prend les 1 million sur nous ou pas? Oui, dans une mallette. Ah, comme ça, s'il nous défonce, on perd les 1 million aussi. Bah non, je lui dois quoi qu'il arrive, sinon il me fume. Ah, donc quoi qu'il arrive, tu vas lui donner? Eh oui, et justement. Je vais voir ce qu'il propose. S'il propose rien derrière, t'arrives, tu le braques. Ah, mais pourquoi il veut 1 million? Parce que c'était la dette pour sortir de prison hier. Si t'étais pas parti, t'aurais vu, c'était sympa. Ah bon, t'en es bien sûr? Mais j'étais pas parti, c'est...
Enfin, je me suis fait un peu descendre, quoi. Je sais, mais... Je suis pas vraiment parti. Bon, attends, ça tombe bien, on a mon appartement. Allez, on va se faire admin la gueule, ça sert... Allez, c'est un vrai kiff. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16... Voilà, il me faut des balles, moi, il me faut des balles, les gars. Oh putain, ça va prendre une éternité, ça. Tu sais, genre là, tu mets juste un bouton utiliser tous, fin de jeu. Mais non, 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 non. Les gars, on est d'accord, ça va mal tourner, hein. Dès qu'il faut utiliser mon gun, et si... Tu sais, dès qu'il faut utiliser mon gun comme levier, ça marchera pas. C'est dingue, hein. Putain, c'est dingue. Fais conscience à Fils. Bah ouais, mais les gars, mais Fils, il est trop gentil, en fait. C'est ça que vous comprenez pas? Fils est trop gentil par rapport au serveur. Fils joue avec les règles du RP, les vraies règles du RP. Et à chaque fois, il se fait baiser, vous avez pas remarqué? Parce que ici, tout le monde joue ses règles. Deux minutes! Je parle pas à toi, t'as l'impression d'être à côté de ma voiture, espèce de fou trop calvaire. Hein. Vous voulez parler de quoi? Donne-moi un indice. Donne-moi un indice, putain. Hey, t'étais avec nous en prison hier. Ok, on va aller voir le mec, là, je lui dois 1 million de dollars. Ouais, ouais, ouais. Mais vite, prends une voiture. Vous êtes où? Dis-moi t'es où, je vous rejoins vite. J'arrive dans 2 secondes. I totally need that car. Ok, il me faut une banque pour chercher tes 1 million. Tu me coûtes un pognon pas possible. T'inquiète, il va te les rendre. Non, tu vas pas dépenser. Devon, le mec qui m'a donné RT Vage, le mec que chaudière de la banque là. Ouais. Il faut que tu sortes les 1 million et il faut qu'on y aille, il m'a donné la position tout de suite, il nous attend là. Tu parles à Devon ou tu parles à moi là? Joker, encore toi. Ouh. Comment ça va, messieurs? Vas-y. Ah, t'es carré, le Joker, toi aussi, je te le dis. Hein. Ah, Joker, tu nous as carottes, toi. En quoi je vous ai carottes? Bah, l'argent d'hier. Quel argent d'hier? L'argent d'hier du braquage. Je t'en souviens pas, Joker. On s'est tous fait baiser, de quoi tu me parles? Hey, Fils! Hey, vous faites des discussions de salon de thé, vos grand-mères, alors que je peux mourir, là. On s'est tous fait baiser hier, de quoi vous me parlez, là? Non, il y en a un seul qui nous a baisé. Et c'était qui? C'est le Polak. Tu te souviens? Le Polak, Donovan. Ah bon? Le gars avec les cheveux longs, ouais, exactement. Ah, pourquoi c'est moi? Il nous a baisé. Il s'est pas fait attraper, c'est le seul. Et bah, il a des mallettes. Il s'est pas fait attraper. Donc il a des mallettes encore. Bah, gold chopé alors. Malheureusement, il n'est pas là. Il doit dormir, je pense. Ah, il doit dormir sur les billets, cette espèce d'enfoiré de Pourquoi vous dites que moi je vous baisais alors? Après vous, vous parce avez que pas tu nous as baisé parce qu'on devait s'échapper. T'as dit qu'il est hélicoptère. J'en suis encore vénère d'hier là. Oui, oui, oui. Ça c'est vrai. Bon allez, c'est quoi le plan là? J'attends Devon. Il allait 1 million. Je lui dois 1 million de dollars. Parce qu'en fait, ce que vous savez pas vous. Mais ouais, ça qu'est-ce qui s'est passé hier? Moi, j'ai réussi à m'évader. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec toi? Non, tu sais pourquoi tu t'es évadé? Parce que j'ai donné 2 millions de dollars. Attends deux secondes. J'ai pas 1 million là. Hein. T'inquiète pas, quelqu'un d'autre les a. Donc je vous explique, hier vous êtes sorti vous, parce que on a parlage avec le crâne chauve et il nous a dit pour 1 million de dollars je fais sortir tes deux potes et le prochain million je vous fais sortir vous. Du coup je lui ai dit demain tu me donnes RD Vage à ce num et on arrive. Ok. Sauf que ce mec il a l'air chaud. Je viens de te dire qu'on avait les 1 million mais vous écoutez rien vos grand-mères les reines des cocopops se font de vos tapants de merde là. Ok vas-y. Donc je t'explique le plan, on va se pointer avec les 1 million, il va pas repartir avec les 1 million ce fils de tarantule parce que si... Il croit qu'on est des petites lopsas, on va arriver en équipe.
on... Mais bien sûr qu'on va le niquer. Voilà. Bah, à bon. Part, attends, à part, si nous proposations du boulot de ouf, une belle mission ce soir ou pour demain. Mais est-ce que tu te souviens comment il nous a enculé hier? On était à 5 sur lui, il nous a mêlés. On va le démarrer. Vas-y, vas-y. Moi j'ai pas confiance. Moi j'ai pas confiance, mais. Joker, t'as pas vu la patate que Joker il lui a mis? Il a rien senti. T'as pas vu les 5 balles qu'il a mis dans mon dos? C'est vrai qu'il a sauté de Jod là. Ah, ça vous l'avez pas vu ça, hein? Si, j'ai vu, mais bon. Ouais, un prisonnier qui se fait fouiller avec une arme sur lui, c'est intéressant ça. Exactement. J'ai beaucoup apprécié. Il avait un téléphone aussi. Il avait un téléphone. Et attends, je sais pas si t'as vu, il a sorti un bazooka à un moment. Ah, tes conneries. Non, je rigole même pas, il a dû le casser dans son rectum. Bon, il arrive quand là? Il va pas tarder à arrivage. J'espère, il est là. Il est où? Il est derrière nous là. Vas-y. Ah merde, c'est que lui. C'est pas lui, frère. Hey, téléphone, je vais pas traiter sa maman. Ok, bon bref, je me calme. C'est qui ça? C'était l'autre avec sa coupe de Justin Bieber qui était avec nous en taule hier. Mais t'es où, fils de merde, ben? Oh, eh ben, je suis au poste de police, t'es où? T'es où exactement? Quelle banque? T'es à la Banque Pacifique, espèce de chien de la casse. Tadaimas! Tu me dis, t'es à 50 mètres du poste de police, t'es en haut de la ville. Je fais des petites prières, moi, faites pas chier. Vous êtes des galères, vous trois, là, je vous le dis. Viens, rejoins-moi. Mais t'es vers où, là? La Pacifique. On se rejoint à l'entrée de l'autoroute. Cheveux Rose, rappelle-moi ton nom. L'entrée d'autoroute à côté de moi, la Pacifique. Moi, l'ancien, appelle-moi l'ancien. Attends, garde le téléphone. Envoie le numéro. 3961. Mais ouais, okay. Tu fais tout droit. Et la petite frappe là derrière, c'est qui? Francis Kubo, comment ça tu me parles de petite frappe? Attention. Ok, Francis. Vous avez pas de respect, moi je suis armé moi. Respecte le Joker, tu crois qu'il a pas un passif de ouf? Alors le numéro de téléphone, Francis Kubo. Je te donne tout de suite. Je suis sur la. Vous êtes où? Je suis sur route, à côté du crâne. 64, je le connais pas par cœur sur ma carte d'identité américaine. Moi je parle japonais moi. Ok. J'ai envie d'insulter ta mère quand tu me dis des infos alors que t'es à l'autre bout de la terre. Francis. Konoyaro. Japonais. Très bien. J'ai l'impression que t'es le genre de pote. Quand je viens te chercher, tu me dis ouais, j'arrive dans 5 minutes, mais t'es en train de te doucher, de prendre un bain avec des bulles là, des trucs de chez Sephora, espèce de chien. Oui. Allez, on y va. Oh, on est au casino ici. Ouais, perspicace. C'est quoi tiens, Joker? Une belle équipe là, en vrai. Vous croyez que c'est un speed dating ou quoi dans la partie? On se fait poursuivre. Il est avec nous, il écoute rien ce Joker. Je vais tirer. Non. Si j'entends un taser, je tire. Oh mon dieu, c'est quoi ces galères là? Je vais mettre ma ceinture. Un taser, je tire. Pourquoi ils sont avec nous? C'est un 3-5-4. Oh, il conduit bien votre pote derrière là. C'est qui derrière, Fins? C'est Davon, mais vous écoutez rien. Ah, c'est Devon conduit pas bien. Là, il a fait un petit effort aujourd'hui, hein. Ouais, il s'est fait une petite coupe de pento, il s'est mis bien. Bon, moi je suis en train de monter une équipe un peu musclée. J'ai envie d'avoir des usines et des canonciers pour tirer un peu partout. Si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, ouais. Bien payé. Très bien payé. Combien? Tout ce qu'on fait. Et je donne ma part, bien sûr. Ah ouais? Oui. Ok. Je vais voir ça. Pour l'instant, j'ai rien, on n'a rien touché de l'autre. KO. Ouais, bah écoute, on s'est tous fait choper. Ils ont tasé mon pneu en 25 secondes. Je peux rien faire pour toi. Sauf un enculé. Je vous explique, les gars. Ouais. Là, on va. On va lui donner le million, ok? Ouais. Si nous proposations pas quelque chose d'intéressant derrière, on le braque, on garde l'argent et on se tire. Ok. C'est noté. Si il nous propose quelque chose d'intéressant, on bosse pour lui et puis voilà. Ok. Ok. Attends, c'est un scandale que Donovan il a réussi à s'en sortir alors que vous avez plus d'expérience que lui, bande de merde. Non mais écoute, on se fait taser les pneus en 20 secondes. Toi là... Non mais ils sont fait courser par un keuf expérimenté aussi. Moi, celui qui m'a coursé était claqué. C'est juste moi ça, je sais pas conduire. C'est un mat, votre pote derrière, il croit qu'il fait un react. Bon. Si ton histoire elle tourne à zéro, il y a juste une banque à côté de la prison, on va la braquer. Si elle tourne au vinaigre, ça tire.
Ok, j'appuie. Ça tire de quoi? Tu vas me dire de tirer, hein. Mettez tous un masque, mettez tous un masque. Ça tire de quoi? J'ai rien du tout. Mettez tous un masque. Moi j'ai déposé mon arme dans mon appartement, bordel. J'ai pas de masque. Kubo, Kubo, tu vas encore faire la victime, s'il te plaît. T'as dit quoi? Tu vas encore faire la victime, s'il te plaît. Tu vas faire l'otage. Putain, je dois faire encore l'otage, vous faites chier. Bah, ça te va bien. T'as bien joué ton rôle l'autre fois, j'ai bien aimé. Ouais, franchement, ouais, Jack, t'étais vraiment dans ma part, moi. T'inquiète, t'auras ta part là. Faut que je rentre chez moi avec 40 000 dollars, sinon mon père il va me tuer. Comment 40 000 balles? Qu'est-ce que tu racontes, toi? Oublie pas, je viens pas d'ici, moi. Ouais, ouais, tu viens d'où, toi? Du Japon, ma gueule, je te l'ai dit tout à l'heure. Ah, ça s'entend, ouais. Ça se voit. Konoyaro. Bagayaro. Masquez-vous. Oui, c'est... Vas-y. Moi, j'ai pas de masque, ma gueule. Force à toi. Intéressant, très intéressant. C'est lui, là, le camouflage. Tu veux que je tire contre une tourelle automatique, maintenant, hein? Donc là, je suis avec un 9 mm. Attends. Je suis au 9 mm, et ce con veut que je tire contre du 50 mm. Et un avion de chasse devant moi. Faites pas les coups. Très bien, donc on va... Attends. Donc on va encore se pisser dessus, les gars. Allez, c'est parti. J'ai pas de masque, putain. Ouais, c'est ça, ouais. Enchanté. Bonsoir. À qui ai-je affaire? Bonsoir. La personne qui vous a aidé hier. Très bien. Écoutez, on a la mallette. Très bien. Normalement, le compte y est. On a pris le temps de compter avec la petite dame. Ce fut long, mais... Oui. Normalement, le compte est bon. Un peu compliqué de faire un retrait d'un million, quand même. Oui, bien sûr. Ah, on a dû justifier par moult et moult les factures d'entreprise, etc. Bien sûr, je comprends. Je comprends. Vous, bien évidemment, pour. Qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fous? T'as même pas de masque. Qu'est-ce que tu fous? Oui. J'ai pas de masque, moi, je suis un découvert, c'est pas grave. Je vais vous laisser compter. C'est coupé en grosses liasses de billets, comme ça, c'est pas difficile. Regarde le canon DCA que le mec il a, les gars. Si je peux me permettre, pendant que vous êtes en train de compter. Nous, ici, on est une équipe de bosseurs, on a faim, on a la dalle, d'accord? Aujourd'hui, on a payé une dette d'1 million de dollars qui regroupe tous nos comptes bancaires, on est à sec. Et je vous avoue que la vie sans argent, c'est un peu la merde. Donc on aimerait bien, potentiellement, au vu du matos que vous avez, savoir si vous auriez du boulot pour nous. Collaborer avec vous, quoi. Nous, on est prêts à bosser, vous savez. Très bien, on a un pilote, on a un tireur d'élite, on a des mecs qui sont experts en explosifs, et on a des types aussi qui ont de quoi vous juxtaposer des plans si au cas où vous n'auriez pas de second plan. J'en ai un, là, prise d'otage, Minasan. J'en ai un là maintenant si vous voulez, à vous proposer. Alors là, ça va être compliqué parce que j'ai un avion à faire le décoller, mais bien je vous sûr. Appelle. Ok, mais est-ce que vous aurez un contact qui pourrait me faire une petite panne électrique en ville ou quoi? Je vous l'appelle. On pourrait le payer. Écoutez, très bien, j'attends votre appel et on est prêt à bosser ce soir. On est prêt à jouer tout juxtaposé. À vous aussi, merci. Content d'avoir fait affaire à vous. À bientôt. Eh bien, super ton plan, hein. On s'est bien fait baiser. Putain. Je vais t'enculer, Phil, je te jure. On peut rien faire, regarde-les. Avec leur canon 50 mm, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il va nous donner du boulot. Ça se trouve, il va nous donner une mission de malade. Et ça se trouve, il va jamais te rappeler. Oh, merde, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est la vache derrière, elle a lâché un peps. Raté. Ah ouais, elle a mangé gras ce midi, la vache, là. Vas-y, pousse ta mère, la vache, là. Attendez-moi, maté. Vas-y. Oh, je t'ai écrasé, la vache. Putain, c'est un halouf, c'est pas grave. Très joli plan, encore une fois, Fils. Heureusement que c'est pas mis 1 million de dollars. Je vous explique, monsieur Joker. Ce mec-là, je pense qu'il a forcément du boulot pour nous. C'est pour ça que j'ai coopéré avec lui. Et ce soir, on va sûrement avoir un bon boulot. Comment sûrement?
S'il si me fournit des gizis et des fusils à pompe, ça me va. Il va passer un appel et on va essayer de négocier avec lui. S'il nous met sur un plan, il va pas nous laisser avec des petits pétards. Vous avez ce qu'ils avaient dans les mains? Attends, mais là, lui, c'était le calvitier, là? Non, non, non. C'était un contact du calvitier. Ah, donc le calvitier, il est vraiment au-dessus, là? Ah ouais, ouais, c'est pas un petit rigolo. Vous, vous croyez que c'était un petit... C'est-tu, c'est à cause de qui qu'on l'a niqué, tu crois? C'est à cause de toi, frère? Bah ouais, c'est moi. Ben voilà, aussi, j'ai fait le con. C'est ça. C'est-à-dire, je te débrouille. Moi, je parle pas. Dis-toi un bon comme ça qui est en zonzon. C'est normal qu'il a un pétard, t'as vu la mafia, ils doivent le faire passer par-dessus les grillages. C'est pareil pour le bigot, tu crois toi, en zonzon, tout le monde a un bigot. Eh mais attendez là, le calvitier qui est au-dessus de vous là, il a pas envie de braquer un Montazac. Le maire qui est pété de thunes là. C'est pas le maire, il a rien écouté à Sion. Mais non, mais je vous parle d'un autre plan. Le maire c'est un chien. C'est un kleps. Ouais mais le Montazac il doit avoir du bif lui aussi. Ouais bah on peut le braquer aussi hein. Grande demeure, lui. Moi, ça me dérange. Moi, ça me dérange pas, moi. Je suis chaud. En plus, fils, t'as travaillé pour lui, toi. Qui, le chauve? Non, pour Montazac. Ouais, ouais, j'ai fait un petit peu de la vigne. Ah, ouais. Parfait, ça. On peut lui tirer dessus? Allô? Ouais, Devon. Ok, ok, excuse-moi. Ouais, non, t'inquiète, y'a pas de problème, mon gars. T'inquiète, t'inquiète. T'as peut-être protégé ma vie, là. T'inquiète, t'inquiète. Regardez l'avion, c'est eux, c'est sûr. Ouais. Oh, les bâtards. Oh là 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 là. Qu'est-ce que je me suis embarqué? Oh là là, dans quoi je me suis embarqué? Choto Minasan. Qu'est-ce que tu trouves, putain? Tu vois, c'est pour ça que j'ai dit que tu vas faire otage. Tu paniques tout le temps, frère. Mais regardez-moi dans quoi je me suis embarqué. Moi, j'ai 25 ans à peine. Mon père, il est super riche. Moi, je connais pas ces trucs de contrebande, braquage. Comment t'es rentré dedans à la base? Bordel, mais c'est Donovan qui m'a donné ses plans de merde. Voilà, et maintenant, t'as baisé parce qu'il est parti. Voilà, j'ai pas encore vu la couleur de l'argent en 24 heures. T'inquiète, c'est Fils, il va tout te donner. Fils n'a pas un sou. Pas obligé de le rappeler, chat. Ah, je suis. Tu vois le Sahara? C'est mon compte bancaire. Je commence à avoir vraiment soif, les gars. Il me faut un magasin, vous. Mais je crois que ce mec-là et son équipe de mecs dangereux, ils vont nous donner du boulot, on va se remettre à flot. Les gars, je commence à avoir soif. Je me sens pas bien. J'espère que ça va être sérieux au moins cette fois. Ils avaient pas l'air d'être sérieux, tu crois, eux, là? Eh, ouais, on fait pas faire avec des rigolos, là. À un moment donné, on rigole, on rigole, mais là, notre vie, je pense qu'en acclat d'œil, ils nous la retirent, ces mecs-là. Je me sens pas bien. Cherche une bouteille d'eau pour ces débiles, là, derrière. Il me faut avoir. Ouais, ouais, ouais. Minasan. Oh non, il va pas me faire. Lui aussi, je vais le planter là. Konoyaro, une bouteille. Tu m'as donné à moi, Tu m'as donné à toi? Attends, on va se garer, tu vas lui donner. J'en ai plus, frère. Parce que tout à l'heure, il va déchirer son t-shirt si je donne pas. C'est la seule bouteille que j'avais. Je peux plus. Ah, je l'ai, descends. J'ai soif vite, et puis je suis fou. Descends, Kubo, descends. La ceinture, j'arrive pas à la retirer. T'as qu'à la retirer, allez. Alors? Quoi alors? On s'est fait baiser encore une fois. Ça dépend, je sais pas. Tu en penses quoi? Tu penses qu'ils vont vraiment nous laisser comme ça avec moins de 2 millions? Ouais. Ouais, je sais pas. Attends, vous voulez qu'on prenne vos armes ou pas? Attends, pas encore. Ok. C'est bien d'être rose. Appelle-moi l'ancien, je vais t'enculer, je te jure, je vois pas avec ça. Bon, allez, en route. T'allais dire quoi à notre collègue là, Joker? Je lui ai dit qu'on allait bientôt vous baiser. T'as dit quoi? Il m'a dit ok. Et ensuite, il m'a proposé de vous baiser avec des usines. Et moi, j'ai dit non, des simples 9 mm suffiront. Et pourquoi tu veux nous faire de la baisage? Bon, roule. Et puis, il fait un peu le malin, on est trop dans la caisse, ça va te mêler. Hein. Non. Mais attends, Donovan, il sait où avoir des armes, lui? Devon. Ouais, il sait avoir des armes, mais c'est pas disponible. Ta gueule, toi, t'es un ouf, toi? Les gars, on va vous fournir des armes et des gilets pare-balles, vous inquiétez pas. Lorsqu'on lèvera cette révolution, et qu'on va commencer à tirer un petit peu sur les gens qui nous ont pourri la vie toutes ces années, mesdames et messieurs, à Los Santos. J'ai hâte.
Bien sûr, bien sûr. La poulaille. Le comico aussi. Oui, la poulaille. J'ai hâte de les entendre pleurer. J'ai jamais touché une arme, c'est difficile pour tirer ou... T'inquiète, c'est difficile, c'est pour ça que tu toucheras rien, tu vas rester l'otage. C'est bien, otage de niveau 2. Je vais pas mourir les gars, j'ai pas envie de mourir, putain. J'ai toujours pas croisé ma petite japonaise en plus, putain. Bon, quand est-ce que tu me sors de cette voiture là, Phils? Tu veux aller où? J'en sais rien, qu'est-ce que tu fous là? Tu conduis comme un bot. Toi, je crois que tu comprends pas ce qui se passe là. On est en train de coopérer avec des mecs dangereux qui vont donner du boulot et va falloir être hot points. Ok, ouais. Mais j'attends son appel là, c'est pour ça que je drive. Ok, bah viens, on va voir ce qui se passe à la Pacifique en attendant là. Allez. Donc, si j'ai bien compris, le Joker c'est le boss et Phil c'est la petite pute du Joker, c'est ça? Oh, pourquoi tu t'arrêtes? Attends, C'est pas ma pute, c'est le meilleur conducteur de la ville. Le Joker et moi, on en a intérêt plus d'un, des petits. Oui, dis-moi, Phil, dis-moi quand tu veux. Dis-moi. Tu me dis, Phil. Je bouge plus. T'es sûr? Je respecte le Joker, mets lui un petit coup, ça va lui faire. Non, arrêtez. J'ai peur. Comme ça, hein? Tu peux répéter ce que t'as dit maintenant? Alors. Désolé, Donovan, mais. Qu'est-ce que tu fais, Donovan? Répète mot pour mot la phrase que t'as dit. Je crois qu'il a pas envie de répéter, Je pensais que t'étais la pute du Joker, mais je suis désolé. Il recommence. Je suis désolé, mais il m'a dit de répéter. C'est bien, il assume, c'est bien. Non. Il nous faut des gens avec des couilles ici, hein. Joker. Je vais te dire un petit truc, mon petit cudo là. J'aime bien parler, mais mon c'est toi qui m'as dit qu'il y a des gens qui veulent faire la Pacifique de ces fils. Non, c'est moi. Comment tu sais? Tu as entendu ça? Oui, mais t'as fini de balance toi aussi. Mais pourquoi je le dis qu'à toi là? Oui, mais j'en ai assez des balances. Je te balance à toi, si c'est toi qui me l'as dit, je balance. Oui, mais j'en ai assez des balances, donc tu balances à personne. Non, mais je l'ai pas dit justement, c'est pour ça. T'es pas chaud, on essaie de. Ok. Ça va être que l'apprendre. Ça va être compliqué. Ça se passera pas aussi bien que ça s'est passé là. Allez, montez, en voiture. Ok. Je suis la petite pute du Joker, répète. Moi? Ouais. Répète avant que je te pète un genou. Attachez-moi, petite pute du Joker Coon. Putain, Donovan, je vais niquer ta merde, Donovan. Non, si, baisse tes bras là. Attends, il faut qu'il arrête la voiture pour qu'il baisse ses bras. C'est pas lucide, hein. Sans rire au ventre. Descends. Sort. Baisse tes bras. Vas-y, rentre. Attends, ça tient. Allons voir. Kamisama. Mamoru. Il t'a insulté, fils. Je fais prière. Il ment. Je fais quoi? T'es trop immense. Juste passe à côté. Il ment. Je veux que tu me protèges. Attention. Enlever les masques au cas où, non? Merde, pardon. Mais il y a trois révolteurs là. Trois révolteurs? C'est bon, il y a un kef là-bas là, c'est bon. Attendez, mais. Monte. Enlevez vos masques. On va se mettre à gauche là et on va guetter. On va guetter de loin. Attends, où est-ce qu'on peut en avoir? De quoi on parle là? Un hélicoptère? Écoutez, vous savez ce qu'on va faire? On va poursuivre les mecs qui sont en train de faire la Pacifique et on va leur péter le butin. Ah, là, Phil, là j'aime bien quand tu me parles comme ça. Trois révoltaires, hein. Ouais, on va en prendre une en chasse. Et s'il faut, on prendra en otage un des mecs de chez eux pour qu'ils nous ramènent la moitié de leur butin. Ok, attends, tu veux que je dise à Devon de chercher des usines? Ouais, vas-y, on va avoir besoin d'armes lourdes. Okay. Faut qu'on soit tous armés, là.
Bon. Qu'est-ce que vous voulez faire? Eh bien, allez chercher des armes, messieurs. On va péter les mecs qui sont en train de braquer la banque. Devon, va vite nous chercher les usines. Vous restez là? Vous restez là? Matez. Je dois porter une arme aussi, quoi. Oui, et tu vas prendre sur le tas, mon vieux. Putain, tu vas nous prouver que t'es un bonhomme et que tu peux faire partie de la troupe. On travaille avec des novices, monsieur le Joker. Ouais. Ça m'envoie des messages comme quoi ça veut braquer des banques et ça a même pas un petit cul plus sur soi. Bon, lui, il lui faut un masque, hein. Il a pas de masque, lui, hein. Des radios longues pour acheter un masque, demande lui. Ils ont un hélicoptère, ils vont le col. Fields. Ouais. Si on les poursuit. Ouais. Ils vont, les flics vont nous taser nos pneus. Non, on va rester de loin. On va être derrière les flics. Disons un scénario où les flics interpellent. Ils nous tirent dessus, on n'a rien sur nous, on n'a rien à se reprocher, on s'en fout. Ok. Mais disons que les flics. On braque les flics. Interpellent les autres, arrivent à immobiliser le véhicule, arrivent à immobiliser les gens. On braque les flics. Ensuite, on braque les gens qui sont menottés. Bah ils sont menottés, on a rien à foutre. Et on arrivera à prendre leur mallette? On braque les flics, on leur dit écoutez, nous on veut juste la moitié du pognon. Vous nous donnez la moitié et on se casse. Ils vont nous donner la moitié, on va se casser. J'ai une revolter, donc bonne chance à eux. Ouais, j'ai quand même peur des tasers, hein. Là on est sur un plan concret qui va être ficelé d'un point A à un point B. S'ils me tasent mes pneus, je m'endors d'un coup. Chotomina-san, vous avez des diplômes ou vous avez toujours été dans la contrebande comme ça? Toi, je pense qu'on va te crever un pneu. Lui, il a pas d'armes, pas de masque. Pourquoi il est encore là? Laisse-moi niquer. Et pourquoi il est encore là? T'es quoi, là? J'apprends à vous connaître, messieurs. Écoute, ce qu'on va faire, c'est que je vais me lever tout de suite, là. Je vais te braquer, et si dans 3 secondes, t'as pas d'écarpie pour voler un véhicule, aller t'acheter un masque et prendre une arme, et si t'es pas là... Ah, allez, il est 58 là. Si à 23h10, t'es pas là, on connaît ton nom et on va te fumer. C'est bon pour toi? 3, 2, 1. Super. Merci de travailler avec des mecs qui ont rien dans le froc. Attention. La police est en train d'interpeller des gens là. Devant la banque? Ouais, non. À droite de notre rue, là. Je les vois à travers les barreaux. Attends. En fait, tu peux me situer à peu près... Là, en face de moi, il y a le Weasel News. Enfin, il y a le camtar du Weasel News. Après, il y a les révoltaires devant la banque. Et ensuite, à droite... Attends, je me couche. Ouais. Et à droite, t'as les voitures de flics qui clignotent. Une ambulance. J'ai du mal à voir, comment je fais pour voir? L'expérience. Parlez pas fort. J'ai des jumelles si tu veux. Ok, bah vas-y, tu sais quoi, Joke? Tu nous donnes des infos parce que t'as l'air d'avoir un bon œil. Donc qu'est-ce que tu vois là, mon chacun? Non, c'est pas Doberman, chat, c'est Doberman. Une ambulance, une voiture de cœur. Y'a pas grand chose qui se passe. Une voiture de police. Ok, y'a combien de véhicules de police, monsieur? Y'a un fourgon. Un fourgon de police. Ok. Spoil. Non, c'est pas du spoil, ça me fait rire, les gars. Qu'est-ce que ça va changer à l'histoire que Doberman soit là et que ça se braque, gros? Qu'est-ce que ça a changé l'histoire, chat? Attends, je viens d'aller 8 mois, merci. Colin pour les 3 mois. Eh
Et Joker, on va se faire tirer dessus. Je t'ai mis en mode. Oh là là. Je t'ai mis en mode film ou pas? Non. Ok. Tu t'aimes bien les courses de Formule 1? Et toi, t'es pas fortiche. Oh putain. Ah ouais. C'est fou, c'est fou. Attends, je prends une bouteille. Ah, vous êtes là? Ah oui, je vous ai pas vu. Vas-y, donne-leur les clés, j'ai dit l'heure de prendre dans les coffres. Et donne-leur 10 de chargeur. Ok, tiens. Oui, alors attends. Tiens, F. Big F. Tiens les clés. C'est le 95. Tiens. Et demande-en 10, le joker. De... Voilà, parfait. Tiens, vas-y, tu prends, il y a le J pour toi. Très bien. Fils. Ouais, je t'en remercie. Alors, les clés. Tu peux pas me donner le Uzi direct? Non, il est dans le... j'ai déjà sur. Il y a un avion qui survole la Pacifique là. Il y a un avion qui survole la Pacifique. C'est le ULM, je joue quoi. J'ai pas de chargeur. Tiens, je te les donne. Merci. Je peux vous recommander de mettre un masque, monsieur? Oui, je le mets. T'as mon Uzi? Je crois qu'il y en a plus dans le coffre. Il y en avait que deux. Comment ça, il y en a plus, frère? Donne-lui un pétard, ce sera très bien. Donne-moi un pétard, n'importe moi avec ça, t'inquiète, ça fera l'affaire. J'ai rien sur moi là, je vais lui en donner à. Je vais lui en donner. Écarte-toi, s'il te plaît. Ouh, intéressant, regardez. Alors, hop. Tout citoyen présent sur les lieux du braquage sera neutralisé par le LSPD. Vous avez vu les nouvelles? Ouais. Il y a un hélicoptère de police ou de MS là-haut? Ah, c'est police, ça. Police. Il nous a sûrement vu, là. Hein. On va dégarpir, on va bouger. Range ton Uzi, range-le. Il nous en manque un, non? Ah ouais, il nous manque... Ouais, il manque... Tu veux que je l'appelle? Ouais. Vas-y, attends. Dès qu'il reste 8 minutes avant que je le descende. On bouge, messieurs, il y a un hélicoptère qui nous a sûrement vu, on va aller changer la couleur du véhicule. Il y a un ULM là, hein? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je sais pas, je comprends pas, j'ai l'impression que c'est fait exprès. Ouais, t'es où, gros? C'est sûrement dans le plan des braqueurs. T'es où? Déguisement? Vas-y. Vas-y, c'est bon, vas-y. Arrête tout à l'heure. Je pense que le mec du Weasel News nous a vu. Il est en face de nous, c'est sûr. Oh. Ok, il est à la boutique de déguisement. Est-ce que je peux utiliser mon Uzi dans la voiture? Oh, c'est formidable, ça. Bah, pourquoi vous pourriez pas, monsieur le Joker? Oh, mais ça rend les choses totalement différentes, maintenant. Ça rend les choses totalement intéressantes, maintenant. Hmm. Très bien, bon, je vous explique. On va essayer de guetter de loin ce qui se passe. Et puis, on va essayer aussi de péter la bonne voiture, parce qu'il y en a trois. Donc, malheureusement, je ne sais pas laquelle sera blindée d'argent. On va repartir sur du noir. Vous savez quoi? On va se fondre dans la masse avec les messieurs. Parfait. Ne tire pas trop vite. Ah, t'inquiète, j'entends un coup de taser, je mitraille tout le monde. T'inquiète pas. On va faire le plat rapidos. T'inquiète pas. Et le magasin de le masque, ton pote là? Ouais. Je vous préviens tous que j'entends un petit coup de taser, je commence à mitrailler. Voilà. Vas-y. Donc je vous inviterai à mitrailler à votre tour. On mitraille les pneus. Ah, j'ai une crampe en voiture, c'est quoi le muscle là pour tirer là? Bah, comme partout, hein. Pour tirer en voiture. Bah, comme partout. C'est le clic droit. Ok, c'est bon.
je dis à l'autre de nous attendre ou pas? Il fait quoi là? Demande-lui des infos. Il est parti s'acheter un masque. Ouais, mais actuellement il en est où? Attends. J'adore quand Fils il est tellement genre RP. Et j'adore à quel point ça le casse les couilles quand je dis. Ce qu'on va faire, c'est que ton novice là, moi. Attends, je sais comme pas ça, si c'est sur le chemin. Nous on est plus là-bas, frère. Si tu vas là-bas, je vais te faire canner, frère. Ouh, Dr Cox bah m'intéresse. Ouais. Son profil m'intéresse. Attends, je t'en vais. Ah ouais, T'es où? Tu vas faire quoi là? Ah oui, effectivement. Dr Cox aurait encore kidnappé un citoyen. Le psychologue psychopathe commence à faire beaucoup de bruit. Attends. Parce que là, on roule là. Eh, Phil. Il est où exactement? Il est en voiture. T'es vers où exactement là, Kubo? S'il est près des masques, je vais le récupérer. Kubo! Merde, tu passes en nul? T'es vers où? Dis-lui d'attendre nos masques, ça plus vite. J'ai pas pris son nul. Va au masque. Ouais, il va nous servir de guetteur, lui. Il va guetter. Personne le connaît. Il vient d'arriver à Los Santos et il est suspect. Il a pas de suspicion sur son dos. Donc il va s'habiller en mode lambda. C'est ça que je t'ai dit. Il est bon qu'à ça. Et il va marcher, il va regarder, il va donner des infos. Il est loin ou pas des trucs de masque? Il est là. C'est quoi le nul de Dr. Cox, ces gars? Il me semble l'avoir pris, les gars, mais c'est juste que je l'ai rentré dans le mauvais contact. Il est con et il est sourd en plus, faut qu'il arrête c'est de tirer. Trop de mal, oh, ou quoi, wesh. Oh, Kubo, ta race! C'est pas lui ça. C'est Roy! Oh, de rouler, c'est plus du cul. Monte dans la voiture. Docteur Canapé, je l'ai noté? Dépêche-toi avant que je t'allume. Minasan, vous êtes venu me chercher, putain. Minasan, arigato, gozaimasu. Je crois que c'est le nouveau contact, les gars, mais... Ça va, les gars? Bon, écoute-moi bien, Sudoku, là. Tu vas sur veillage, Kubo, tu vas quitter, ouais, tu vas marcher tranquillou. Ouais, je t'ai dit, c'était Sudoku. C'est bon pour toi ou pas, maintenant? Regarde-moi bien près là. Ouais, je te regarde. Qu'est-ce que tu vois là? Super. Arrête ça. Tu vas guetter pour nous. Ok. Tu vas tenir au courant ton petit copain là qui est avec nous. J'ai juste appelé le canapé. Attends, qui bougerait. Je suis trop cool. Un orteil, une voiture. On veut tout, la couleur. Laquelle? Parce qu'il y en a trois. Même pas d'appeler le canapé. Ok, j'ai retenu l'information, monsieur Sam. Je pense que Sam, ça va être le futur prénom de mon flingue. Tu vas discuter un petit peu avec lui. Kami, ça va, maman. T'as Roy pour les armes? Monsieur le Joker, appelez Devon pour savoir s'il y a des infos en attendant qu'on arrive. T'es trop scoon? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Ça se passe, hein, mais attends. Tu vas descendre là et tu vas marcher tranquillou comme si tu faisais ta vie. Et tu me suis au courant de tout. Okay. On compte sur toi, mon gars, t'es nos yeux. Vas-y, gros. Vas-y. J'appelle Devon. Ouais. Monsieur Devon, vous avez des informations? De quoi? Sur quoi? Sur le braquage qui est en cours. Non. Nous, on est parti changer la couleur du véhicule, là. Vous êtes parti? Non, on y retourne, là. Nous, on est dans une ruelle. Ok. C'est quoi le plan? Vous voulez faire comment? Au pire, envoyez-nous votre pause, on arrive. D'accord. Vas-y. Phil, c'est quoi le plan? Ce qui va se passer, c'est qu'on va attendre qu'il décolle. Dès qu'il décolle, on prend en chasse avec la police, on voit ce qui se passe. Et on interpelle le premier véhicule qui est à notre portée. On leur fait vider leurs poches et on se taille. Très bien. Donc dès lors qu'on intervient sur eux, vous leur demandez tout de suite de baisser les armes, parce que sinon on va tirer. Faut qu'on soit les premiers à les braquer. Sinon on va se retrouver comme des cons à se braquer contre braquer, ça sert à rien. Mm-hmm. Donc dès qu'on arrive. Et s'ils s'arrêtent pas? Ils s'arrêteront. Mm-hmm. S'ils s'arrêtent pas, je vais devoir. Tu lui feras un pneu vu que t'as l'air d'être un chaud du pneu, monsieur le Joker. Ouais. De toute façon, je pense pas qu'il y ait quelqu'un d'autre dans cette ville qui puisse me la mettre. Ah bon? Ils ont les.
Ils ont le même véhicule que moi. C'est aussi on tasse tes pneus. C'est vrai. Et je parle à unité égale. Le problème, c'est que là, vu que t'as pris une voiture noire, ils vont penser que tu fais partie du braquage. Ouais, mais c'est pas grave. Du coup, comment c'est pas grave? Ils vont te taser tes pneus. T'as pris la même voiture qu'eux. S'ils tasent mes pneus, eh ben on agira en conséquence, c'est tout. S'ils tasent les pneus, tu tasses les pneus. Ça s'appelle du donnant-donnant. Œil pour œil, pneu pour pneu. Tu peux nous donner des infos, ton collègue Kudo, là, s'il te plaît? T'as dit quoi, gros? On peut avoir des infos de ton collègue, là? Vas-y, attends. Bon, qui a klaxonné? Arrêtez de me dire qu'il faut boire, s'il vous plaît, les gars. Ouais, t'as vu quelque chose de bizarre ou pas? Au final, on avait pas assez de sous pour changer la couleur. Bon, je vous explique. Ok. Ouais. On va attendre que ça parte. Toi, tu restes en moto, comme ça on aura quelqu'un en moto de qui est okay. Mobile. Attends, toi, tu vas rester avec ta néon. C'est tout. Faire l'essence. Vous vous masquez. Attends. On les allume ou dès qu'ils partent ou on fait quoi? Non. On allumera okay, le tout. On les poursuit avec la police. Je vais chercher un casque intégral. Tu veux de l'argent? Moi, ouais, je veux bien 300$, ça va suffire. Je vais faire le plein et aller chercher un casque. Il m'a dit qu'il lui a donné des infos depuis l'âge des infos. Sauf qu'il y a un keuf qui est venu, il lui a dit, ouais, il a déjà journaliste de rien lui dire. Ok, mais pourquoi il donne des nouvelles balles? J'ai dit qu'il se balade et il regarde de loin le gros. Ah, il voulait. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Les masques. Les casques. Masque. Non, casque. Masque. Casque à la bijouterie. Je crois qu'il s'est fait enculer. Pourquoi il s'est fait enculer? Je sais pas, il parlait après, il a fait oh, oh. Et voilà, enfin, l'appel a coupé. Ah ouais, mais il va se tutoyer un mec assermenté qui donnera jamais d'informations avec 2000 balles. C'est imbécile. Dis-moi, tu changerais pas la couleur de la voiture en blanche, vu qu'il neige? On y va. M'emmener des bras cassés, là. Un mec qui propose sur 2000 balles. Un journaliste. J'ai envie mais de il a pas donné, toi il a pas donné, et ton pote, là. Il a dit, mais attends, ce trou de balle, il m'a dit, il est monté sur un toit pour les espionner. Et il s'est fait voir par l'hélico. Me dis pas qu'il est tombé du toit, s'il te plaît. Pourquoi tu me le ramènes, ton mec, là? Tu m'appelles au téléphone, vous faites les gangsters, vous êtes des hommes, vous? C'est qui, Roy, déjà, les gars? Moi, vous êtes des hommes de main, vous? Moi, je suis un homme ou pas? Ramener des mecs sans armes. Vous croyez qu'on est à la cour des petits, là? Écoute-moi bien, tu sais très bien comment je suis. J'étais là au braquage. La seule chose que vous savez faire, c'est être un otage. Attends. Ouais, allô? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Là, je suis en voiture. Blanche comme neige. En pleine mission, là. Ah, je peux pas trop te dire, là, maintenant, là. Je vais pas te mentir, là. Très bien. C'est spécial. Attends. Je te rappelle tout de suite. Vas-y. Hey, Fils. Ouais. C'est qui m'a appelé? Non. Tu te souviens de l'autre, là? L'autre schlag, là, Baptiste. Ouais. Ah, c'est lui. Tu veux le ramener sur le coup, à la place? Vous voulez le ramener? Il est chaud, lui, hein. Eh bah, si vous voulez, là, mais... C'est lui, UU, là. Ah, mais je t'en supplie qu'il fasse pas UU. Juste. Vas-y. Juste. Je vais lui dire. Et il monte avec les collègues, vas-y, hein, vas-y. Comme ça au moins ils seront deux. Vas-y, c'est bon. Je lui dis de nous rejoindre où? On verra une position quand on sera sur place. Vas-y. Ok. Allô? Oui, bonjour monsieur Liam, monsieur le Joker à l'appareil. Ouais. J'aimerais vous acheter des gilets pare-balles et des Uzi, si possible maintenant. Ouais. Pas de suite, non, pas dispo. Oh, dans combien de temps? 30 minutes. Oh. À tout à l'heure. Merci, monsieur Liam. Tout le monde est dispo dans 20-30 minutes. Bizarre, hein? Ah ouais, j'ai l'impression qu'ils sont tous goupillés ensemble.
Ok, la j'en presse bouge. Déplacer. La presse bouge. Ceinture tout le monde, juste au cas où. Yes, mettez votre ceinture. Tout est bon, tout est bon. Donc vous voulez faire venir Baptiste? Ouais, je lui envoie un message. Je lui envoie la position ici ou pas? Non. Non? Vas-y, tu me dis quand c'est bon. Demande, est-ce qu'il a le numéro de Digimon là? Devon là? Ouais, ouais. Attends, je vais lui demander. Transfère le sur lui, je vais il va le récupérer. Je vais l'appeler. Appelle-le, tu lui dis qu'il récupère... Baptiste. C'est peut-être fait pour pas que vous osiez nimp. Valcolive, 2 mois, merci à Giloge pour les 2 mois. Team, 14 mois. Bon, je vous explique. Si Abdelazar, 5 mois, merci Team Bup, 11 mois. Ozymon Dai, 8 mois, merci. On va essayer de chasser la voiture. Le numéro de qui ne sera pas chassé par les flics parce qu'ils vont décoller avec non, toi non, dans non, la voiture. Donc il y en a une qui va sûrement s'évader, ok. Donc on la prendra en chasse et ça sera notre poisson. Vas-y. Ok. On va faire en sorte de la péter rapidement. Répète. Phil, je te parle à toi. Qu'est-ce qu'il y a? On va prendre en chasse le véhicule qui sera pour chasser par aucun flic. Parce qu'il y a trois bagnoles, il y en a bien. Sur un serveur AP américain, là, le meilleur. Ouais. Donc vous me les trucs essentiels comme ça, tu les achètes genre. Je pilote, mais je peux pas tout voir. Alors sauf les Uzi, mais les gilets pare-balles, les trucs essentiels comme ça, tu les achètes genre à un magasin. C'est trop chiant de devoir toujours dépendre d'un mec, parce que si ce mec là il aime pas ta gueule, comment et ben tu fais rien. Cette foutue bagnole. Donc c'est trop chiant en fait, le RP qui dépend tout le temps des gens en fait. 30 grilles de l'essence là, putain. Bien, coupe le moteur. Bah ouais, je cherche. C'est dans F1 je crois. J'ai pas l'impression. Il y a plein de RP français qui font juste ça, ok. C'est trop relou ça, devoir dépendre de deux personnes, tu vois, c'est trop chiant. Essaye W. Non. Il y a un hélicoptère. Faut jeter un œil pour... Oh, et c'est le cargo Bob. C'est le cargo Bob. Où est-ce que tu vois ça, frère? Il est passé au-dessus de nous, là-bas, là. À droite. Ouais, j'ai vu. Attendez, mais... Vous êtes au courant que Monsieur Jim m'a parlationné d'un plan pacifique avec un cargo Bob et qui m'a dit au téléphone qu'il allait faire de la pêche. Ok. Oh. Donc là, je viens de me faire baiser par la famille Pichon, là. C'est ce que je suis en train de faire de la compréhension. Oui. Et dis-moi, s'il fait de la pêche, tu penses qu'ils vont le dropper où, le cargo Bob? Eh ben, je pense que la voiture qui sera pleine va se faire aimanter par le cargo Bob et s'envoler vers d'autres cieux. Mais aller où après? Bonne question. C'est ça la question. Il nous faudrait quelqu'un en hélicoptère là. Et il va falloir un mec en hélicoptère là. Pour les poursuivre si jamais ils réussissent le plan. Surtout pas Joker. C'est impossible. Devon ou Tim, il nous faut impossible. Avec ce que t'as fait hier, c'est impossible. Désolé. Il nous faut quelqu'un en hélicoptère. Il faut absolument qu'on les anticipe. Il nous faut un bug en hélicoptère. Devon. Et en fait, c'est ce que je vous explique. J'ai vos explications. Il nous faut un hélicoptère plein d'essence qui va se poser pas très loin de la Pacifique. Ouais, il faut un hélicoptère plein d'essence qui se pose pas très loin de la Pacifique. Ok. Ils ont un cargo Bob. Ils vont faire ça. Ouais, je sais. Une voiture qui part. Ils sont inspirés du plus grand. Mais qu'est-ce que je voulais dire? On va essayer de choper les mecs dans le cargo Bob. On va le prendre en otage. Elle est partie où? On va leur péter leur cargo Bob. Elle est partie en face là. C'est des ouf, ils volent mon idée. Ok, Joker. Ouais. Si jamais on le voit et qu'il est sur place ou quoi, vous venez tous et on rappelle qu'on prend tous en otage, ok? Oh le con. Ouais. Ok, à tout de suite. Prends le volant, s'il te plaît. Il avait pas sa ceinture? Il l'avait pas.